pôle culturel du domaine de La Haye est un projet qui a débuté en 2008 avec toute une série d'études de programmation pour en étudier la faisabilité. Au vu des attentes et des besoins de la population, il a été décidé de construire une médiathèque réunie à une école de musique ainsi qu'un auditorium pour une diffusion de spectacles de qualité et par la suite un espace restauration, ce qui permettait d'envisager un lieu qui soit au-delà d'un lieu culturel, un véritable lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu de convivialité. Donc c'est M. François Guibert, cabinet d'architecture François Guibert, qui a conçu le projet, qui a vraiment réfléchi sur un projet qui soit en résonance avec le site d'implantation, qui a pour particularité d'avoir un patrimoine naturel extrêmement riche, puisqu'un espace boisé classé, et un patrimoine architectural avec une ancienne bâtisse du 19e siècle. Donc voilà, on a un bâtiment tout en transparence qui dialogue véritablement avec ces deux éléments. Donc c'est une médiathèque pour ce qui concerne cette structure qui accueille environ 30 000 documents, dont 4 000 CD, 1 500 DVD, et qui a également pour particularité d'accueillir un espace jeux vidéo, ce qui pour le moment n'est pas très répandu au sein des médiathèques. On a également une école de musique qui compte 160 élèves avec une équipe de 11 enseignants. On a une jauge d'accueil de 300 élèves, donc ça permet véritablement de développer l'enseignement artistique et la pratique musicale. Et cet auditorium de 120 places qui est conçu véritablement pour accueillir une pluralité d'activités, aussi bien du théâtre, de la musique, que des conférences et des projections cinématographiques. Voilà. Donc on est vraiment sur un lieu assez complet en termes de champ artistique, fortement bien évidemment dédié à la lecture publique et dont la vocation première est d'être accessible au plus grand nombre.